Ici Abidjan, Regard est disponible et téléchargeable gratuitement. Ici Abidjan, Regard, c'est plus de photos, moins de tests, un contenu plus soft et mieux affiné. Ici Abidjan, Regard, nous croisons tous les regards de ceux qui font Abidjan. Défendre sa cause devant les tribunaux n'est pas chose aisée, principalement pour les personnes financièrement défavorisées, donc vulnérables. Si au pénal, certains bénéficient d'une assistance juridique, ce n'est pas toujours le cas en matière civile. Temi se propose ce jour d'aborder la question de l'assistance juridique avec une ONG engagée dans ce domaine, que vous découvrirez dans une poignée de secondes. Bonjour à tous, Madame Goli Arlène est la présidente fondatrice de l'ONG Juris Secours, invitée avec laquelle nous aborderons la question de l'assistance juridique. Bonjour Madame Goli. Bonjour Babette. Bienvenue sur le plateau de Témis. Je vous en prie. Comment présenteriez-vous l'ONG que vous dirigez? Merci pour cette opportunité que vous nous donnez, pour une fois de plus parler de notre structure qui est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. L'ONG Juris Secours est une ONG qui a été créée par un ensemble de juristes pour répondre à des besoins en matière de droit, en matière de défense des droits de l'homme. Et cette ONG a été créée le 3 septembre 2014. Cependant, vu au regard des tests, nous avons effectivement commencé nos activités en novembre de la même année. D'accord. Et pourquoi avoir choisi ce domaine précisément? Est-ce que c'est parce que vous avez constaté une carence à ce niveau-là, au niveau de la justice ivoirienne? Avant de répondre à cette question, permettez-moi de remercier d'abord l'État de Côte d'Ivoire qui déjà travaille dans ce domaine. L'État fait de son mieux. Cependant, la marge où l'écart est encore se fait ressentir sur le terrain. Surtout pour les personnes qui n'ont vraiment pas de moyens, et ces personnes sont toujours confrontées à des situations au niveau des tribunaux et elles ne peuvent même pas se faire, elles n'ont pas une notion du droit et ne savent pas comment se faire assister. Et ça, c'était le premier constat. Le second constat, c'est que l'État de Côte d'Ivoire, que je profite de votre antenne pour remercier, a formé des juristes. Pour nous qui avons fréquenté les universités publiques, ces juristes, une fois à la fin de leurs études, sont sur le tas, ne savent pas que faire de leurs compétences. Et cependant, à côté, nous avons cette population qui souffre, qui a ne serait-ce besoin d'un petit effort, d'un petit encadrement pour pouvoir, comme on appelle, faire face à leurs questions, à toutes les questions relatives aux droits de l'homme. D'accord. Voilà. Et votre ONG existe depuis près d'un an, oui, selon la date que vous avez donnée. Oui. Et quel bilan dressez-vous après un an d'existence des différentes actions que vous avez posées en faveur des plus vulnérables? Le bilan est mitigé, en ce sens que lorsque nous avons fait une prospection sur le terrain, nous avons compris que la population avait vraiment besoin de nous. Nous avons eu une liste de près de 10 000 personnes qui ont manifesté la volonté de se faire assister. Cependant, l'étude des dossiers, des documents que nous avons reçus, nous a permis de faire une sélection. Une sélection pourquoi? Parce que nous n'avons pas les moyens pour pouvoir prendre en compte toutes ces personnes, parce que nous n'avons pas de financement. Cependant, nous avons pu, avec nos maigres moyens, pu assister toutes les personnes qui ont voulu se faire assister, en fait, en ce moment précis, avec ce que nous avons sous la main, avec les moyens de bord. D'accord, donc vous n'avez pas pu assister tous ceux qui vous ont sollicité? Non. Comme je le disais tout à l'heure, le nombre de personnes est impressionnant, c'est-à-dire 10 000 personnes. Et ces personnes, pour se faire assister, en principe, devaient pouvoir payer un droit d'adhésion. Mais ils n'ont même pas pu payer ce droit d'adhésion qui s'élève à 10 000 francs. Mais comme vous allez voir avec nous que ces personnes, généralement, quand elles viennent nous voir au bureau, elles ont un problème véritable dans les tribunaux ou bien en dehors des tribunaux, mais elles n'ont même pas le minimum pour pouvoir payer ce droit d'adhésion-là. Mais à côté, comme nous sommes fixés pour objectif d'aider ces personnes, nous nous sommes sentis dans l'obligation de le faire, mais nous ne pouvons pas, au jour d'aujourd'hui, aider tout le monde. D'accord. Alors, nous sommes dirigé vers certaines personnes que vous avez aidées, deux personnes précisément, qui ont bien voulu nous donner leur témoignage. C'est une réalisation de Landry Flan.
J'avais été sinistrée et bon, j'ai eu un problème avec mon propriétaire et qui m'avait traduit en justice, si je peux le dire ainsi. Parce que l'affaire était au commissariat et vraiment j'ai tempêté, vraiment j'ai eu des problèmes, des difficultés même avec lui parce que j'ai tout perdu dans la maison. Et comme par hasard, bon, comme Dieu fait bien les choses, un jour je revenais de Bingerville et j'ai vu la pancarte « Jury Sekou ». Je cherchais à avoir plus d'informations et là je suis tombée sur l'ONG qui vient en aide aux personnes vulnérables. Comme moi, comme j'étais dans ce cas-là, puisque j'étais très vulnérable, il faut le dire. Et par la grâce de Dieu, vraiment, cette structure m'a vraiment aidée. Ils ont pris le problème en compte. Ils dit que je n'avais plus à défiler au commissariat, mais l'ONG s'est occupée de tout. Je vais plus loin que ça. Il faut dire que j'ai vraiment traversé des moments. J'avais moi-même des difficultés financières aussi. Et après cela, après le problème du sinistre, je suis allée encore vers l'ONG. J'ai soumis mon problème et ils m'ont aidée avec un financement. C'est ce que vous voyez là. L'ONG m'a aidée à ouvrir ce petit coin-là que vous voyez. Et par la grâce de Dieu qui va grandir avec le temps. C'est grâce à un ami à Bobo. J'ai eu un problème un jour avec la police à Djamé. Donc quand je l'ai appelé, il m'a contacté ONG, Jury Sekou. Et je les ai appelés. Ils sont venus à mon aide à Djamé. Ils ont intervenu, ils m'ont libéré. Bon, après avoir réglé mon problème, j'ai eu un problème de travail, je ne travaille pas. J'étais en chômage. Un matin, ils m'ont appelé, ils m'ont proposé une voiture. Ils m'ont donné la voiture, donc c'est dans ça qu'ils me débrouillent. Alors, c'était le témoignage de deux personnes qui ont été aidées par l'ONG Jury Sekou. Madame Goli, ce que j'aimerais savoir, comment est-ce que vous intervenez concrètement? Quelle démarche vous menez pour venir en aide aux gens lorsqu'ils vous sollicitent? Cette question me permet de remercier certaines personnes, si je peux le faire, c'est possible. Merci. Je veux dire merci au procureur Adou, merci au conseiller, au premier conseiller Aboya de Daloa, de la cour d'appel de Daloa. Ce sont des juristes, ce sont des personnes qui nous apportent leur appui technique. Et à côté, c'est une équipe, nous sommes une équipe et nous travaillons chaque jour, à chaque fois que le besoin se fait sentir. D'accord, mais concrètement, concrètement, nous assistons au commissariat. Quand il y a une... Bon, je vais déjà faire la part des choses. L'assistance juridique et judiciaire. L'assistance juridique, c'est celle-là même qui se déroule en dehors des tribunaux. Ils peuvent venir tout simplement, nos adhérents, nous poser un problème. Changement des traits de naissance, enfin de nom, des questions qui sont relatives, comme on appelle là, au droit, mais qui n'ont pas une portée juridique devant les tribunaux. Donc, dans ce cas, nous leur donnons des conseils avisés et nous leur montrons le chemin à suivre. Mais lorsque le problème part, enfin, devant les tribunaux, lorsque nous sommes devant un contentieux, alors nous partons au commissariat avec eux ou à la gendarmerie, là où ils sont convoqués, nous les assistons, pour ne pas que dans l'audition, parce que la loi leur permet de se faire assister. On peut se faire assister soit par un ami ou par une connaissance, enfin, peu importe. Et donc, comme ils sont membres de l'ONG, ça nous donne aussi ce droit de les assister déjà au niveau du commissariat. Et lorsque, dans nos limites, nous sentons le besoin de prendre un avocat, alors, comme je venais de citer certaines personnes, il y a certains cabinets qui nous accompagnent dans ce projet-là. Aussi, nous avons des partenariats avec des huissiers, des cabinets d'huissiers qui nous apportent leur aide. Et donc, surtout le déroulement de la procédure, nous les assistons jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Donc, voilà. Vos relations avec les autorités judiciaires sont quand même bonnes, apparemment, puisque vous citez toutes ces personnes. Il n'y a pas de difficultés sur le terrain. Oui, c'est pourquoi j'ai tenu à saluer ces deux personnes-là, le procureur Adou et le conseiller Abouya. Ce sont des personnes qui nous apportent leur appui technique. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous intervenez à trois niveaux apportez une assistance juridique. C'est carrément un conseil, vous donnez des conseils juridiques. En plus de ça, vous intervenez souvent s'il y a une question qui se pose au tribunal. Tout à fait. Et aussi, vous intervenez sur le plan social, au regard du témoignage que nous venons d'entendre. Oui. Alors, moi, ce que je veux savoir, sur le terrain concrètement, est-ce que vous rencontrez des difficultés?
sur le terrain, les difficultés que nous rencontrons, c'est que parfois les OPJ ne comprennent pas la question d'assistance. Ils vous posent la question, les officiers de police judiciaire ne comprennent pas la question. En ce sens qu'ils vous posent la question tout de suite, est-ce que vous êtes avocat? Parce que pour eux, pour faire l'assistance, il faut que vous soyez un avocat. Bon, or, la loi, jusqu'à présent, la loi ne limite pas l'assistance seulement par les avocats. D'accord. Voilà. C'est une information que vous venez de me donner. OK. Alors, ce que j'aimerais savoir, comment on adhère justement à l'ONG Juris Secours? Pour adhérer à l'ONG Juris Secours, c'est simple. Vous venez dans nos locaux, vous acquittez d'un droit d'adhésion qui est de 10 000 francs et vous payez vos cotisations mensuelles. D'accord. Mm-hmm. Et vous avez un contact? Oui, nous avons un contact. C'est le 48 09 26 01. Vous pouvez répondre? 48 09 26 01. 01. On a un fixe aussi. Oui, allez-y, vous pouvez. Le 22 49 09 34. D'accord. Alors, merci d'avoir consacré un peu de votre temps à notre magazine. Merci pour l'aide que vous apportez aux plus vulnérables. Témis pour ce jour, c'est fini. Rendez-vous dans 2 semaines. Shalom. Ici Abidjan Regard est disponible et téléchargeable gratuitement. Ici Abidjan Regard, c'est plus de photos, moins de tests, un contenu plus soft et mieux affiné. Ici Abidjan Regard, nous croisons tous les regards de ceux qui font Abidjan.